Ce dimanche 21 août, nous aurons un seul culte. 15h à 10h, arrive même à 13h ou encore à 12h pour que tu aies une bonne place à l'intérieur. Ça sera une soirée totale adoration. On va adorer les seigneurs. On va entrer dans notre moment de retraite, dans un fort moment d'adoration. Ça sera un moment d'adoration comme tu n'as jamais vécu. Ça sera très spécial, il y aura une atmosphère incroyable. Et ramène tes frères et sœurs, demande déjà un congé. Si tu n'as pas encore pris ton congé annuel, si tu as quelques jours encore dans ton contrat, fais que ton congé tombe la semaine du 21 au 28 août, parce que juste après le dimanche 21, le mardi 23, nous revenons tous ici, 22h juste, nous démarrons Siloé 2022. Tobali Siloé 2022. Brought to you by Moizmbie Ministries. This program is brought to you by Moizmbie Ministries. This program is brought to you by Moizmbie Ministries. Welcome to Moizmbie Ministries. Moizmbie Ministries, venez rencontrer Dieu. Jésus, on connaît ça, il sonne, on a l'air, Jésus,
Merci pour la visitation de l'eau. Merci pour la surprise de l'eau. On préparé pour la grâce. Merci. Merci pour le miracle. Merci pour la loi pour nos Seigneur. Merci Jésus, merci. Oh. Maintenant, soif de Koloukanzambe. Ma copie m'a même visité, bien aimé. Ma copie m'a même visité. Maintenant, soif de Koloukanzambe, bien. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Passe le copie ma main vite. Merci parce que si plus se préparer. Merci pour le miracle préparé, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Le Dieu de l'Alliance. Et ça, la mouta, on compte à Siloé dans le Yembasika. On compte à Siloé dans le Yembasika. Pasana, Mouya, Pakanda, Lolaté. Aïsé, Forigo Santa Maniglé. Lumana Zambé, Mbille, Dombama. Sana uya kotanga lolate. Ah, tombola oya sa capable. Tombola sa mwa sa capable. Tombola sa mwa koki kosala tout na vie na yo. A cette église, tombola miracle sorti na sorti. A cette église. My God, Sanamuya Kokanda, Lolate. As you want to run as a for Wabi, Romana Zambe, make your dad and our Seigneur. Napi, my man, be the Dieu de l'Alliance. La réserve de l'Éternel a sa prière pour te visiter. Lolaté. Sana Mouya Kokanda. Lolaté. Oui, ma sambe la kawe, ma tse soumouro bien aimé. Monte encore. Pambo la sambe la yo. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On se dit, c'est on sait un mot pour la vie là-dedans.
kotongola Sango tomesala kolobela maloba Sango tomesala kokumisa Olate Ikomba basimba bana na cette église Bato ma porte la qui ferme Et comment ouvert dans cette église Balouka ma voyage, il va jouer dans cette église Ma cité, bika, ma cancer, bika Oh Maîtrise, ma kata, maîtrise, bim, me zonga Assim, ma pémoine Ah, ça moi, ça capable Ça moi, ça capable, bien-aimé Oh, qu'on nous a moutouté Oh, qu'on nous a zambé, bien Sana mouya kokanga Donate Praise Sana mouya kokanga Donate Ah Sana mouya kokanga Donate Aïe Tozo pambole le kometa maboko Tozo tombola oya bongi Tozo releme Yes, we're cool, mama. Yo, yo, yo.
La Bible dit, cherchez le ténèbre pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt pour à visiter yo. Il est prêt à payer sa solution dans les camions, ça des années. Cherchez l'éternel. Amen. Et c'est tout le monde au Licolo. Tout le monde a côté de Licolo. Lorsque vous êtes dans l'église, vous avez un miracle qui sort dans votre salam. Jésus, c'est fini. Oui. Papa Simba kana le bon côté, na musika zo déclaré ma kambozo changé. Ma otombola likolo. Le bakolo Yesu. Me grede le lo. Ezaya ngai. Ezaya voisinté. Me grede le lo. Muta komo na miracle. Ezaya ngai. Yahweh. Eloko nyoso. Et quoi empêcher pendant mon miracle te longola yango longola yango ce que ça t'aime ce que ça doute et longwa pendant au sembla aux prier sur le bamalopa samba longola t'aime nyoso doute nyoso na motema na yo samba longola venez un jour un miracle. Nous allons prier. Nous allons la libanga la motema na yo. Incrédulité wana sata linga tia. Incrédulité sata linga seme. Le bama le baso bete mbongo sobe sa zambe. Le ngole incrédulité. Yes, le bina mar. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ma terre. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu parce que Jésus est là. Emmanuel est là, Emmanuel est là. L'ongola libanga. L'ongola libanga. L'ongola incrédulité. Mais crédit de l'ensemble de cible. Oh Seigneur. Libanga l'ongola libanga. Cherchez l'éternel. Bon, Lucas, maintenant qu'elles ont eu mon essence. Dans ce cas, mon gong, on a été. Matissa, mon gong, on a mis ça ensemble. L'on a conduit, mon ami, si que votre bandit m'a raté. Libanga, on a crédibilité, on a l'ongo. Et c'est un jour de visitation. Et c'est un jour miracle. Oh, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Même si on s'embellit tellement trop, rien ne marche. Non. Ici, dans Bethel, il est un Dieu ici. Écoutez, Yoka, lorsque Batimi a senti le lézard jour où naïe, a salaki ma kamboloko la liboma, le bas mène à bien. Malgré baso peki saye, baso kanga Batimi, ya ye baki, malgré foulo to sali. Le lieu est un jour, nana, nangaï. Quand tu as un peu de temps, qui sait, lève-toi. Il t'appelle. Ah, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, mais crédit aux alliés. J'ai dit aux alliés, c'est Moïse. Dimanche, vendredi au Sahara. Dimanche au Sahara. Quand tu as un peu de temps, lève-toi. Il t'appelle.
Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Parce que quand tu as bâti, le laisser jour, est-ce que nous devons sentir le laisser jour? Est-ce que nous devons sentir le laisser jour? Est-ce que nous devons sentir le laisser jour? Bâti, mais pour nous, il y a qui mis. Il y a pour nous habiter. Pour nous bâtir, il y a mis. Au monde, il y a des hommes. Simbakabu. Bon, t'indiquer. Maman tellement l'icolo, papa tellement l'icolo. Au foot de transport pour la Lukanza Mbambi. Au Tumbi Carabin pour la Lukanza Béa Yambi. Ma colo Yesu. Mais crédit à l'élo. Et l'eau connu à ça. Et qu'on peut qui ça. N'a mon miracle. Et c'est ma membre en famille. Et dans le quartier, Moutounioso, à côté de ma, Libosolangaï, Longolaïe, 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 Pétain, ma bonne bien-aimée, matin la prière, au Zambonella, Yébissé Zambelelo, Moutounioso, qu'on pêche, Moutounioso, qu'on t'aime, pour tout mon ami, raconte, non, le laisser jour, Nayo, Samba cible, yo. Et ce jour-là, il y a un miracle. Voilà, voilà. On va nous comprendre, voilà. Matin, matin, il y a matin, matin. Pétain, ma bonne soeur, ma malope. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas liesse? Non, 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 non. Oui, Seigneur. Le laisser jour-là, il y a. Le laisser jour-là, il y a. Les jours n'ont pas de miracle. Les jours n'ont pas de visitation. Les jours n'ont pas de décision. Nous tous avons besoin de miracle. Ça m'a mis à faire un miracle. Ah Seigneur, miracle Seigneur. Miracle Jésus. Oh! Aïe 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 côté qu'on pêche yo ça m'a bien visité yo ça m'a pas bon là yo tu me dois prier bien ma frère mais c'est ça m'a pas bon là yo n'a qu'on compte si l'on est mais c'est bon à mon oco n'a qu'on compte si l'on est mais ça m'a bien mais comme à celle l'inga n'a qu'on compte si l'on est la promotion en suite. Aïe 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 aïe. Mon frère, Samba Monayo. Samba Monayo. N'azou l'ouka ma bâti, mais la prière elle est l'eau. Malgré opposition. Malgré opposition. A quoi traverser.
Yes, sir.
C'est-à-dire, papa l'obagia,
Et ça va si j'ai des moussous. On s'en met la poêle en côté de la siloï. On peut répéter que si j'ai un athée. Zamba linga changé. Yebi sa moi nan zamba sa pe misa o kota na ba sije wate na siloe o go prier o go pona ba sije o sambela bon zamba zo pesa deja vangu a o pesa avangu na makabo zo senga ye a zo pesa avangu avangu. La Bible a dit na vous connaissez toujours Esaïe 60. Bible a dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Amen. Et ça va te mêler. Vas-y, pas mes toiles là-bas. Lorsque vous poussez la liberté, opportunité, moi, ma lame, je suis choisi, je suis choisi. Quand vous avez besoin de vous, vous ne pas jamais. Ne pas jamais. Opportunité, nous sommes comme là, et qu'on chape au thé, au cosimba yango, dans Zambambi, au cosimba yango. Et belé barata ma kamba bien. Pour la nini, bas si pas étoile na yo. Mais sous la ignorance, au thé qu'étoile na yo. Si quand on a prononcé ta parole, yo, à tous on a mis son partout plein son sali, mais sous. Au piment à mon bal, mon roi, à sa mouta sens au culte, à yibé toi, là, yo. À yibé ma chance, là, yo. Au tika de bav. Au bat, moi, mon amour, tout comme si, bah, yibé toi, là, yo. Tout au sala, rien ne marche. Zamba, ça capable. Yo, côté tina, manouana, à zoué toi, là, yo, à zoni, c'est le yango. À le même, n'est bien. La ignorance, là, yo. On comprend. La Bible a dit vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi. Donc, le yébi zambambi, zamba réserve, de son compte à ta place, il bat tiango, à ta navinage, et ça la wapi. On se récupère étoile, là, yo. Parce que, au coup de la chance, c'est belé. Oh, tout le jour, mon père, le baka. Ce qu'on peut me l'hôtel, il répète ton téléphone. Ben, le numéro est bataminé, non, y'a ben, qui est passé de l'ogon. Passé de l'ogotel. N'est ben le gouvernement, Mboka, n'est ben le Kingan, ministre, n'a y'a ben, aïe. On a cassé. Parce qu'on peut ôter les locaux, n'a vu, n'a yo, nim. Mais nous, y'a ben, n'a pas. Rien. Le leu Simba. Le leu Simba. Le leu Saladini. Et le Simba. Et quoi, Simba, Dieu? La souveraine, on va voir où il est l'homme. Et quoi, Simba, Dieu? Au côté de la vie, à moi, dans mon bal, monsieur, on me met la malchance. Au côté de la vie, à moi, dans moi aussi, on me met la malchance. Zamba, bien, ça capable. Il y a qu'on l'ombre la bonne toutou, il y a qu'on l'ombre la malchance. Tout le monde, il est bien aimé. Et la télé, ma. Kolembate ma sœur. Musu su kolembo lembana. Et ça n'est minimum avec son vendis sa yo. Pour sentir kilo, kilo, kilo. Ma mimi son kilo dans son aboutou. Ce n'est pas normal. La présence ensemble. Faut saisir l'opportunité. Le ba Yahweh. Moutou nyoso. Aïbe toi l'inangaye. Très bien, parce que nous senti la mousse à Batou, il a collé un son, il a été vu de Tikaraki, mais il va songer ça. Le colo Yesu, Moutou Nyoso, Aïbe Toli Nanga, Asane la Ketoli Nanga, Lelo, Naïmoko, Naïe, Nazamba Reserve, Nazo Kende, Atena Zamba. Ate na village, na ndeko nganga wana, na sopotola, oyange twale, oyange twale, oyange twale, oyange twale, pete mabango, mate la prière, paneko déclare, 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 lopa, lopa, keneko botola. Aïe, 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 voilà, 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 basse mbele kaboye.
sais. Namba pambolo le susu. Ah, le nez est tourné. Samba pambola yo. Samba mona yo. Ma porte est fonga mena yo. Ma te bine ba luka yo. Et toi la yabima. Et toi la yabima. Ici na Bethel. Togo nga kaboy. Toya ba bola togo ba suika boy. Baba ta pamba na Bethel. Samba Moïse mbi a tombola kaboy. Yebi sa mutepe mena yo. Avant silo yo. Avant Kotango, c'est mon seul banal monoko na yo. Mais ma relation minene, ils ont fonga. Mais yebisa est allé le bisa. Ma relation minene ils ont fonga. Ma relation pamba pamba te. Ah ma relation pamba pamba te. Merci Saint Esprit. Moni mon relation yebisa ngai. Yebisa, douce yebisa. Banal ngai nyo sotu. La réserve de l'éternel. Place wana
Et là, c'est la valeur à moutou, c'est la nuit. Et reprenons ton haut traversé, place les ananas. Au bout d'un moment, ensemble. Je ne vais pas retomber la prière. Et ça, la bénédiction, plus de quitter la bateau. Le bateau va tellement piquer. Je souhaite. Pour qu'on traverse, pour qu'on ait un canal. Et ça paye dans la cas qui va qu'on a pino. Et ça paye mille qui peut mieux les eaux couler. Je souhaite na kala batinda qui va tout pas visiter Kana. Ba kuti na Kana bi bingambe. Abi to kuti bato biso to bimaloko na ba ma banque. Je souhaite na kala ba penser. Ba réfléchi, ba kanisi, ma lobo et loba maki. Ainsi dit l'Éternel, ba longola kangote. Ba kanisi, ma lobo et loba maki. Boko nyata kana. Ba malikre bi lombe wana. Kana toko kota kana. Toko possède kana. Tosa la prière. Ma lobo loso ba loba et koma loko la Goliath. Na famille, l'autre se humilie maloba wana. Tombo lobo komba likolo, loba kolo Yesu. Plus fort ba kolo Yesu. Maloba nyoso. O ba lobe la biso. Donc tombo lobo si o pense petit na famille no ba leki no ba yaya na yo. Kolo Yesu. Maloba nyoso. Oh, ba lobele la biso. Eh, kanga vitso. E boya biso to vala. E boya biso to sala. E boya biso to tanga. E boya biso to simba bana. Kolo Yesu. Maloba nyoso. Oye telema. Lokola Goliath. Lelo. Maloba wana. Ekwaya, le papa, pète votre nom déclaré, madame, non, c'est pas pour le sang. Voilà, non, c'est pas pour le sang, bien aimé. Voilà, madame, non, c'est pas le papa. Ma famille est Ekwaya. Famille, elle imite la famille.
malade. Tala. Awa. Na lien soto kota. E ratakate shuakate. Ata pa erreur obota kamona. Mutonga ke naye. Ko désespéré ta. Ici na Bethel. Tomona ba maman 50 babala. Hein? Se di zamba sala makamboyo. Oye ko tika na mokini. Na qu'est-ce que c'est? Mutatalbi abon. Ye. Ana Bethel nzamba pesa ni pambo likombo nango. Abon. Ye. Yebisa voisin oso ni pambo li abon. Ye pe. Abon. Ye pa bali. Abon. Ye pa sou musala. Abon. Ye pa vage. Wapi muta wapi mbalo bena ye. Lolo kwa mtu mbalo bena ye. Abon. Yope. Banda tan chômage belé. O le kisi tan chômage belé. Ke izamba rezèvre. A wo soutu ki solo bi. Abon. Yope. Lolo kwa mtu li pa molezo ye la ye. Kante ni gani. Fame pa. Pambola yo, karate zoningana, famille zoningana, yebisa tala. Tala, attends ça pembe na mwosi na yo, lobele ma loba bien, pomoni mwosi na yo, obala, azana ba rêve na yo, appelle ba promesse zambe, a lobele yo. Et zambel misu so, bali mwal mwosi, abomi ba rêve na yo. Amen. Et moi, je suis en mobile, abonné à ma rêve. Il y a des gens qui ont été payés. Zamba Alliance, à Osan Loma Kambu. Oh, il y a des gens qui ont été payés. Il y a des gens qui ont été payés. Yo muto somete maboko zamba mbia sudugisa yo. Aya ya ya ya. Yo muto somete milolo zamba mbia sudugisa yo. Le tene mapele reserve. Tene tene sudugisa yo. Anazomo na mutu. Obali sabana. Oya bali. Oya bali. Oya bali. Oya bali. Oya bali. Oya sumusara. Oya mati. Sake zalbanga ye ye. Etats-Unis. Hey, yo, mais attention, plus de monnaie ne veut pas aller. Ah, et ça la mène à yo, selon ta foi, le télé d'alliance. Appelle ça yango, appelle ça yango. Au nom de. On se dit pas monnaie à pamba pamba te. Batal pi bakamwe. A son monnaie, nini. Zambambi à sabon. Koma yangali banga. Sika yangana yaka kope basana nguya soki makasi esilie soki maboko elembie na yebi na mote yokolo benga kinga ye otinde la kinga bajelue. Yes, so come my Prima. Yes, so come my Masana wuya kukanga lula. Soki makasi, sitoke. Soki makasi. Mambo kuyele mbiye. Okay. Na motema
Promesse sabango moli maluwa petelemi kana yebi yelombe moko atuna luwa wapi nguya na yo c'est Jésus wapi makasi na yo c'est Jésus wapi force na yo c'est Jésus talbo lukolo le makolo Yesu moli monioso yaliwa on va préparer na vie na ngai na va faire na ngai na libala na ngai lelo Epima, mettez ma banco, pégue l'esprit des morts, et tombe les lions, pégue l'esprit des morts, et libère la yo. Voilà, pégue la. Aïe,
déposé qui pour étouffer promesse et se réaliser. Lorsque Christ est disciple, ma disciple dans 3 jours, non, c'est quoi? Hérode a connu ça qui maloba ne sait qui le coûta. A suivi ma soldat, a suivi Libanga sous à tien. Comme papa Lobaki, attention, ma bundi sakana mou pépete. Mou pépoko kanga koto kopi ma koto yo. Surtout ka et l'omba zobi manakunda. D'abord, Libanga de. Zambati d'intervention. Pona kana yo. Et ça va tout. Et ça lola. Zambati d'intervention. Ah, je t'ai dit. Pona kana yo. Et ça va tout. Zambati d'intervention du ciel. Ange balongo ni Libanga. A son abba komi panike. Balukinga na butu. Bitumbaya molili. Sokomoni na tongo bakomi agité e bakana butu bakabiti bambongo ba efo nyoso sokina zota lipa oriwa banguna bakwe banguna bakwe Satana pueya kia pili susu Muto zala kina kuma Mungo ni miso ya pili susu Ese kutangosa wa, ese kutangosa wa Ese kutangosa wa Asa kina kuma Basutu kisi Muta mwisi yesa moka sibaligi etakae Pili susu Yekulu sabongi sela kima e Babakie mo C'est vrai, Est-ce que c'est
sepete okola libala na yo avimbani na kwa yebaka kia sepete yoka kobanda lelo le pied de mon père la recebe de l'éternel abundara bitumba bisuko longate bisuko koma na suka bisuko katana onode onode anoyo okota siloe na chanson ya ya sika c'est tous nomo ba pot de fleurs mutunio sotu na somo na sim pot de fleurs li pamba no zamba mbi azo pesa yo ba tunio se ba ko envie ngo ba ko tuna e uti wapi a soyez béni soyez béni soyez béni soyez béni soyez béni. Est-ce que Simbi est est-ce que Simbi est est-ce que marché est est-ce que Simbi est est-ce que par le Dieu est est-ce que l'unité adopté pousser les cris de joie. Zambalola,
Maboko tsana mutu na yo. Nazo benu yo poto leka na prédication. Fungola lelola. Nasuka awate. Fungola lelola. Esila boyete. Mutu na mogi. Mabolo ngeza na se. So Luca Atango wana Zopanza basango Pona basali Pona Mwana na yo Nakanga se matoi Asali confiance Woo! 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 Soyez bénis. Je te dis, soyez bénis. Et là, qu'on y a, soyez du moussika. Et qu'on m'a fait béni, na yo. La répéter parole. Et là, qu'on y a, soyez qui m'a qui est, soyez qui m'a fait na yo. Nazamba mbi, soyez qui m'a fait béni, na yo. Au nom de. Mes crédits, les gens, la mes crédits, les bonnes vies, na yo. Olo bi amene banda pana ye Ono de Ono de Elo konyo spene kote ke zote kama te ete kama Na mwani mouta zote ka parcel Oh, ma zui mon lili batye na parcel wana Na deklare ko banda siko yo limiere e kita na parcel wana Ono de Le Dieu de l'Alliance, à ce qui s'aille, à ce qui s'aille, mes crédits, les alliés, mes crédits à consolation. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut aller sur mon vacances? Yoka, tout le monde s'y va offrande. Il y a famille, ils ont pesé. Pour libérer la famille dans la prison. Simba, je ne sais pas tellement c'est belé. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Tout le monde, Simba, offrant le ce que vous payez 100 dollars, euros, ils ont des points dans la dimension de la famille. À part la famille. Simba, je suis en prier pour vous. Tout le monde. Même si on l'a dit, si on l'a tombé dans le colo, Zambé Fakani sa famille na yo. Zambé mon famille na yo. Si on a 100 dollars, c'est parce que la famille n'a pas l'air aussi dans la misère. De ma colo, Yesu. Offrande, Eloba, Lole Fongama, Bisika, ba limita famille na ngai. Bisika, ba limita famille na ngai. Nzelo fondo famina nge fungwama kota finance fungwama ofrando yo ebe mama kambe pele na famina ngai ofrando yo ebe na makambe pele na famina ngai ono de yako déposer ma panier ça au bosso bosso déposer avec assurance avec foi Sale no como tú eres
Juste ta main droite là où tu es. Je veux que tu fasses cette prière. Que tu dises à Dieu, Seigneur, bénis-moi avec l'argent. Ce n'est pas un péché de demander l'argent à Dieu. Lève ta main droite là où tu es, que tu ne manques rien dans ta maison pendant cette période. Que Dieu te bénisse de l'argent, des trésors. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Élève ta voix, même si tu es à la maison, commence à parler. Que Dieu ouvre les ciels pendant cette période. Que toutes sortes de bénédictions descendent dans ta maison. Je veux que tu parles à haute voix. Que tu dis à Dieu, pendant cette période que je manque de rien, tu viens de faire une offrande pour ta famille. Dis à Dieu, pendant cette période que je ne manque pas, je vais entendre un cœur parler à Dieu. Le Seigneur me dit qu'il écoute ta prière. Dis à Dieu ce matin que je ne manque de rien. Avant Siloé, surprends-moi, Seigneur. Je veux que tu parles à haute voix. Dieu écoute cette prière. Dieu est en train d'écouter la prière de quelqu'un. Dieu écoute ta prière. Que tu ne manques de rien. Que tu ne manques de rien. Que les trésors descendent dans ta maison. Dieu écoute ce que tu dis. Il écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Dieu a vu ton offrande. C'est ce que le Seigneur me dit. Il a vu ton offrande. Il a vu l'état de ton cœur. Demande-lui ce que tu veux. Et Dieu va te l'accorder. Pendant cette saison que tu ne manques rien dans ta maison. Tu ne vas pas manquer pendant cette période. Tout ce que tu vas demander, le ciel va te l'accorder. Parce que nous passons une saison très favorable. Une saison très favorable. L'atmosphère est très favorable. Dis à Dieu pendant cette période. Je ne vais pas manquer.
que je ne manque pas. C'est possible que tu vives sans manquer. C'est possible que ta joie soit parfaite. Parce que lui-même a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est possible avec Dieu de vivre sans manquer. Je prie pour toi. Que le Seigneur voie cette offrande. Que Dieu voie cette offrande. Que Dieu voie l'état de ton cœur. Que Dieu visite ta famille à travers cette offrande. Aucune personne dans ta famille, tes frères, tes sœurs, même s'ils ne sont pas ici, ils ne vont pas mourir pauvres. Je le dis comme un oint de Dieu, personne ne mourra pauvre dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà, tu vas prendre ta Bible, on va prêcher dans quelques minutes, on va encore prier. Un roi, chapitre 3 plutôt. On va lire un seul verset et on va lire aussi des chroniques. Un roi chapitre 3, le verset 5. Elle dit, à Gabaon, l'Éternel apparaît en songe à Salomon, et pas Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. C'était un songe. Demande ce que tu veux, je te le donne. Des Chroniques chapitre 7. Verset 12 à 14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Oh mon Dieu, je lève ma main, je dis à quelqu'un, Dieu a exaucé ta prière. J'exauce ta prière. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on verra, où l'on devra m'offrir des sacrifices. Écoute le verset 13. Elle dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, la première chose, s'humilie. La deuxième chose, prie. La troisième chose, et cherche ma face. La quatrième chose, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Écoute, parlons un peu de Salomon. Un roi, chapitre 3, dit, Salomon vit en songe. Les olobas Salomon mona kinandoto. Dieu lui apparut en songe. C'était pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Et cette conversation se passe dans un songe. C'était lorsque Salomon était en train de dormir. Écoute-moi, ma soeur.
Ne néglige pas les songes. La Bible dit dans Job chapitre 33, le verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments où Dieu peut envoyer un prophète. Il y a des moments où Dieu peut te parler dans une prédication. Il y a des moments où Dieu peut te parler dans un songe lorsque tu dors. Je connais un roi dans la Bible. Le roi Nebuchadnezzar. C'était un grand roi à Babylone. La Bible dit qu'il dormait. Et lorsqu'il s'est réveillé, il avait vu un songe la nuit. Et quand il s'est réveillé le matin, la Bible déclare, il avait oublié les songes. Et j'aime une chose. La Bible dit que le roi n'était pas tranquille. Il avait un esprit agité. Pourquoi il avait un esprit agité? C'est parce que le roi avait oublié les songes. Écoute-moi très bien. Lorsque tu dors, tu te réveilles le matin. Tu avais vu un songe. Tu sens un vide dans ton esprit. Tu sens que tu avais vu quelque chose pendant la nuit. Et le matin, ton esprit n'a pas eu la capacité de retenir ce que tu avais vu. Oh mon Dieu, mon frère, ma soeur, ne sois pas à l'aise. Il faut demander à Dieu. Écoute-moi ce matin. Dieu peut te parler de toute ta destinée. Dieu peut te révéler toute ta destinée dans un son. Celui qui néglige un songe néglige sa destinée. Celui qui néglige un songe néglige sa vie. Je vais vous parler de Joseph. C'était un monsieur, un petit garçon dans la famille. Elle déclare, Joseph eut un songe. Il parla à ses frères. Entre parenthèses, Joseph avait vu sa destinée dans un songe. Et lorsque ses frères se sont levés, le frère ne combattait pas l'accomplissement d'un songe. Non, on combattait pas Joseph parce que les songes étaient accomplis. Mais on combattait Joseph parce que Joseph avait vu un songe. Il y a des épisodes dans la vie. Il y a des moments où on te combat parce que les promesses se sont accomplies. Mais il y a aussi des périodes dans la vie où on te combat parce qu'ils ont vu, ils ont juste remarqué. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta vie tu avais vu quelque chose de positif, oh mon Dieu, même si tu avais oublié, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque les diables viennent dans ta vie, parfois les diables ne combattent pas l'accomplissement de nos promesses. Parfois le diable combat les promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les diables ne combattent pas l'accomplissement. Ils combattent juste les songes. Pourquoi les diables doivent combattre les songes? Ah, mais tu dois te poser la question. Mais ce n'est pas l'accomplissement. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore touché. Mais pourquoi les diables me combattent? Les diables te combattent. Ils combattent tes songes. C'est pour perturber tes planifications. Parce qu'une personne qui a vu quelque chose, il va vivre conformément à ce qu'il a vu. Lorsque les diables viennent dans ta vie et ils te voient, les songes, tu sois perturbé dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu avais vu quelque chose, tu avais vu un songe et tu t'es réveillé le matin, les songes perdus, j'invite le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans ta vie. La Bible déclare, lorsque Christ est monté au ciel, il a dit aux apôtres, le
le Saint-Esprit viendra et il va vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas oublier les songes. Je lève ma main en tant que roi de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu avais oublié ton songe, que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit descende et te rappelle ce que tu avais oublié. La sky ne compte pas. Lorsque le roi a vu les songes, la Bible dit qu'il a appelé les magiciens, il a appelé les astrologues, il a appelé les sorciers et il a dit aux magiciens, je vis un songe, je vis un songe, mais j'ai oublié. Donnez-moi les songes, donnez-moi aussi l'interprétation du songe. Les magiciens ne pouvait pas donner cela au roi. Si ce n'est que Daniel qui était dans la maison du roi. Si ce n'est que Daniel qui était à Babylone. Écoute-moi, ma soeur. Lorsque tu rêves et que tu oublies, cela veut dire que ton esprit est faible. Tu dois élever le niveau de ton esprit. Quand tu te lèves le matin, tu as fait quelque chose de la nuit et que tu te perds, tu as perdu cela dans ta tête. Il faut se dire que je dois élever mon niveau spirituel. Les songes spirituels, c'est comme tu prends un papier, tu prends un téléphone, tu le déposes dessus d'un papier. Non, mais c'est la force des pesanteurs. Le papier ne peut pas résister. Le papier doit tomber. Pourquoi? Parce que le papier n'a pas le pouvoir, n'a pas le poids de supporter un téléphone. Le poids du téléphone. Cela veut dire lorsque tu vois un songe et que tu oublies, cela veut dire la capacité du songe et la capacité de ton esprit. C'est-à-dire les songes pèsent plus que ton esprit. Je vais donner un exemple. C'est l'exemple que je viens de dire. Je peux avoir un papier. C'est le papier, bien sûr. La papier. Bon, je vais utiliser mon téléphone parce que si ça, ceux qui display bébé, pas nanaï. Ouais, viens. Parce que le frère risque de pleurer. Vous voyez? Non, il faut tenir le papier comme ça. Il faut laisser de l'espace. Tu vois? Vous voyez? Mais le téléphone, c'est les songes. Téléphone est un doute. Ça, c'est l'esprit de la personne. Si je dépose comme ça. Ce n'est qu'ici boule. Satan. Cela veut dire lorsque l'esprit de la personne n'arrive pas à supporter les poids du songe, c'est là que personne, quelqu'un se lève le matin et se dit, j'ai oublié ce que j'avais vu. Et tu te lèves le matin, tu manges, tu bois, tu vas aux études, tu es à l'aise. Non, ne sois pas à l'aise. Lorsque tu te lèves le matin et que tu oublies un songe, oh mon Dieu, cela veut dire Dieu t'a révélé quelque chose. Écoute-moi, que cette chose soit positive ou négative, lorsque tu te réveilles le matin et que tu vois une chose négative, cela veut dire Dieu est en train de préparer ton esprit par rapport à cette chose-là. Je donne un exemple. La nuit tu dormais et Dieu t'interdit pendant le sommeil. Ne sors pas aujourd'hui. Ne sors pas. Ne sors pas. Et tu te réveilles le matin, tu sors. Tu avais oublié. Or, Dieu ne voulait pas que tu sors parce qu'il y avait un accident devant toi. Et quand tu sors, cette chose t'arrive. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, lorsque, même si la chose est négative, cela veut dire Dieu est en train de préparer ton esprit par rapport à cette chose. Non, quand tu te lèves le matin, et que tu avais vu, je prie à Dieu ce matin que ton esprit soit consolidé, que tu sois fort spirituellement. Il y a des gens ici, l'escompte de Kaï de Baal. Il y a des gens ici. Le Seigneur vous avertit. Mais le diable le sait. Que si vous retenez les sons, vous serez prudent.
Si vous retenez les songes, vous n'allez pas commettre les erreurs. Et voilà pourquoi le diable vient. Il vient voler les songes. Et quand tu te lèves le matin, j'avais rêvé, j'ai oublié. Je pars. Et voilà pourquoi il y a des choses qui t'arrivent, qui te surprennent. Parfois, Dieu n'envoie pas les prophètes. Parfois, Dieu te parle à travers les sons. Parfois, Dieu ne veut pas te parler à travers la parole. Et quand ton père, tu es distrait, tu as ton téléphone. Mais quand tu seras chez toi à la maison, en train de dormir, Dieu te parle. N'oublie pas ce que tu vois. Ne néglige pas les songes. Ne néglige pas les songes. Lève ta main droite là où tu es. Ne néglige pas les songes. Je prie que Dieu te parle. Que Dieu t'avertisse. Que Dieu oriente ta vie à travers les songes. Si tu étais une personne, si tu étais cette femme qui s'est levée le matin et qui oubliait les songes, je prie au Saint-Esprit, le Consolateur, qu'il descende dans ta vie afin de te rappeler. C'est un esprit de rappel, je le dis. Que le Saint-Esprit descende. Lorsque je parle, je chante de voir une flèche qui a touché ta main et qui a touché le ciel. Le Seigneur me dit qu'il est en train de restaurer les connexions. Avant la fin de ce culte, l'escompte de power et désert, Dieu restaure les connexions. Il y aura des hommes et des femmes qui seront connectés au ciel. Dieu va te parler directement. Toi, tu ne vas pas attendre les prophètes. Toi, tu ne vas pas consulter les prophètes. Mais toi-même, tu seras prophétesse et prophète de ta vie. Parce que Dieu me dit, il restaure les connexions. Et lorsque je parle, je continue à voir. Cette flèche qui a touché ta main et qui a touché le chemin du ciel, Dieu te restaure. Si Dieu te parlait et que le songe était parti, j'ai prié ce matin que cette connexion que je suis en train de voir, que la connexion revienne. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je prophétise cette connexion, les choses que tu as perdues, les capacités spirituelles que tu as perdues à cause des erreurs, au nom de Jésus, 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 le Dieu de la restauration, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Que tout ce que tu dois voir puisse s'accomplir. Et que toute personne qui va s'élever pour combattre ton songe, pour combattre les songes, comme on a combattu les songes de Joseph, toute personne qui s'élèvera pour combattre ton songe, ils n'y arriveront pas. C'est ce que j'entends. Le Seigneur me dit, ils n'y arriveront pas. Même si on combat les songes, même si on combat l'accomplissement, il y a des moments dans la vie où on ne combat pas les songes, où on ne combat pas l'accomplissement. On combat les songes, comme le cas de Joseph. On ne combattait pas l'accomplissement, mais on combattait les songes. Chose grave, ce n'était pas les voisins, ce n'était pas les camarades, c'était les propres sangs, les membres de sa famille. Je prie à Dieu ce matin, même si les combats viennent dans la famille, aux personnes que vous portez le même sang, ils n'y arriveront pas. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand
celui qui est dans sa mort. Personne n'aura le pouvoir, n'aura l'autorité d'éteindre l'étoile de Dieu. Les songes de Joseph étaient caractérisés par l'étoile. Cela voulait dire que Joseph lui-même était une étoile. Lorsque je parle, je vois les étoiles devant moi. Le Seigneur me dit, tu es une étoile. Une fois que tu brilles, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Les étoiles ne brillent pas de la même manière. Ça ne tient pas compte de l'âge. Joseph n'était pas l'aîné. Mais lorsqu'on parle de la postérité de Jacob, on commence avec le nom de Joseph. Pourquoi? Parce que l'étoile de Joseph s'est élevée au-dessus des étoiles de ses frères. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas l'aîné, tu n'es pas l'aîné de la famille, mais c'est toi l'étoile. Celui qui fera sortir cette famille dans la pauvreté, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est toi qui a foulé tes pieds ici. Je continue à voir les étoiles. Le Seigneur me dit, ce matin dans cette salle, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Une étoile qui ne brille pas, cette étoile n'a pas de valeur. Mais le Seigneur me dit, pour que tu aies des valeurs, il faut que tu brilles. Je lève ma main, je dis à quelqu'un, avance sur le haut. L'étoile va briller. Et lorsque l'étoile brille, c'est pour se différencier, c'est pour se distinguer, c'est pour éclairer. Je dis à quelqu'un, dans cette famille, c'est toi l'étoile. Éclaire tes frères. Éclaire tes frères. Tu ne le fais ou pas, c'est toi qui dois les éclairer. Tu ne le fais ou pas, c'est toi qui seras devant. C'est toi qui dois éclairer. Éclaire. Éclaire. De l'année, le brebis que tu vois, ça ne sera plus le brebis, ça sera la troupe d'Israël derrière toi. Je lève ma main, je prophétise pendant cette période, Dieu va t'honorer. C'est ce que le Seigneur me dit, Dieu va t'honorer par tous les moyens. Il y a les autres dont Dieu fermera les ciels, mais pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, Dieu ne fermera pas les ciels. Si tu leur fermes les ciels, Dieu ne te fermera pas les ciels. Ça s'accomplit dans sa vie. Mais il est sans départ. Mets-toi dans cette atmosphère. La Bible déclare, même quand je fermerai les ciels, non, ce n'est pas un homme qui va fermer, mais c'est Dieu. Mais quand je fermerai les ciels, même moi Dieu, quand je fermerai les ciels, quand je fermerai les ciels, quand j'envoierai les souterrains, quand j'envoierai les maladies, écoute-moi, parfois lorsque Dieu agit, aux yeux des hommes, ça devient comme si c'est la discrimination. Et oui. Parfois, c'est comme si c'est la discrimination. J'ai aimé celui-ci. J'ai haï l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux frères de la famille, ils ont donné une offrande à Dieu. Mais l'un, l'offrande n'a pas été agréée. Mais l'autre, l'offrande est agréée. Alors dites-moi, qu'est-ce qui était dans l'offrande d'Abel pour que Dieu l'agrée et qu'il agrée aussi son offrande? Mais on ne sait pas. Dieu lui-même sait. Parfois lorsque Dieu agit, c'est comme si c'est la discrimination. Oh mon Dieu. Sois
ça sera comme ça avec toi. 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 Même quand je fermerai le ciel. Même quand j'envoierai les maladies. Je dis, mais si mon peuple. C'est dans un pays. C'est dans une famille. Où il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire il y a une catégorie de gens qui souffrent de maladies. Et une catégorie de gens qui souffrent de la famine. Mais il y a aussi une autre catégorie. Parce que Dieu dit si mon peuple, si vous appartenez à Dieu, ne vivez pas la vie comme d'autres. Si mon peuple, c'est de Dieu. Si tu es dans cette alliance et tu es un enfant de Dieu, tu ne vivras pas une vie comme la vie des autres. Les voisins peuvent pleurer. Vous êtes dans un même quartier, dans un même pays. Vous partagez une même économie dans le pays. Mais c'est le même membre du gouvernement. C'est le même président de la République. Mais la situation sociale ne sera pas la même. Un enfant de Dieu, même s'il traverse les déserts, il ne peut pas manquer à manger la manne. Même si tu es dans le désert, même si tu traverses le désert, bien aimé, ce que Ozangi na moi, Ozangi na tom, na moi, mais avant le soir, parce que comme à poco. Zambe oyo asalaka ya kokamwa, soka seli na tongote asalaka na moi, soka seli na moi te asalaka na poco, tango toko makana poco, kombo ya zambo yo. Azanzombo le soire atele makana pokwa pona kosunga basi bakufela mibali zambe ya bana bitike akotika yo jamais. Est-ce que bana ya zambe bazali yao? Nazomona bino te. Est-ce que bana ya zambe bazali yao? Est-ce que bana ya bilaka bazali yao? Même si les autres pleurent, cette année 2022, toi qui as foulé tes pieds ici, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas te lamenter. Si tu as manqué le matin, tu as manqué à midi, c'est le soir, avant le soir, la Bible déclare, avant le soir, la lumière de Dieu apparaîtra. Je lève ma main dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille. J'appelle à la lumière de Dieu. Là où il n'y avait pas la lumière, j'appelle à la lumière. Là où il n'y avait pas la joie, j'appelle à la joie. Là où il n'y avait pas la gloire, j'appelle à la gloire. Là où il n'y avait pas le mariage, j'appelle à le mariage. Là où il n'y avait pas le travail, j'appelle à le travail. Là où il n'y avait pas l'argent, j'appelle à l'argent. Même le soir. Même si je suis dans le désert, même si je suis dans le désert, si la terre ne me donne pas, ce qui tombe le ciel va me donner. La Bible déclare, les enfants d'Israël, ils mangeaient la viande. Ça venait d'où? Ça venait du ciel. J'ai dit à quelqu'un, si le monde a refusé de te donner, le ciel, Lola. Le ciel, Lola. Le ciel, Lola. Le ciel te donnera. Lola, copesa, yo. Ils ont mis l'eau qui venait du rocher, et ils mangeaient la manne. La manne venait du ciel. Cela veut dire les enfants d'Israël dans le désert, la terre donnait, pas seulement la terre donnait, mais le ciel donnait aussi. Je dis à quelqu'un, si la terre te donne et que tu n'es pas satisfait, le ciel va te donner pour que ta joie soit parfaite. Celui qui dit amen,
amen à sa prophétie s'accomplir dans sa vie. Même le soir, la lumière de Dieu apparaîtra. Apparaîtra. Lorsque Dieu agit, mets-toi. Lorsque Dieu agit, parfois ça apparaît aux yeux des hommes comme la discrimination. Dieu t'a donné un cœur compatissant. Mais il y a des niveaux dans la vie. Il y a des choses quand tu regardes. Reste calme. Je ne sais pas la réaction d'Abel. Lorsque Abel a vu l'offrande de son frère, Caïn plutôt a vu, soit Abel a vu l'offrande de son frère ne pas être agréé devant Dieu. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ce n'est pas moi qui agrée. C'est Dieu qui agrée. J'ai un cœur compatissant. Je peux compatir. Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu t'a donné un cœur compatissant. Mais il y a des circonstances où quand tu regardes, il faut dire Zambé Moko Kaka. Tu n'as pas donné un conseil à Dieu. Tu as donné un conseil à Dieu comment? Regarde Dieu. Dieu a agi. Rends gloire à Dieu, c'est fini. Je ne sais pas ce qu'a été les réactions de Caïn, je ne sais pas. Ou d'Abel. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, Dieu agira. Dieu verra. Lorsque je parle, je vois une terre qui produit. Le Seigneur me parle pour quelqu'un. Tu investissais. Le moment est favorable. Le moment est favorable. J'avais dit l'autre fois. Le temps de la visitation a été toujours précédé d'une atmosphère. Bientôt, ça sera le temps de la visitation. Bientôt, ça sera Siloé. Mais Siloé est précédé d'une atmosphère. J'avais dit l'autre fois que pour que les paralytiques, les lépreux, les aveugles se jettent dans la piscine de Bethesda, il a fallu que l'ange descende. Ça veut dire que c'est l'ange qui annonçait la saison. C'est l'ange qui annonçait l'atmosphère. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Nous sommes déjà en train de travailler. C'est le moment de visitation. C'est déjà là. N'attendez pas le 21. N'attendez pas le 23. Nous traversons déjà ces temps. Nous sommes à la retraite ici, nous prions. Et personnellement, Dieu nous parle de beaucoup de choses. Dieu nous dit, il nous rassure qu'il est là. Dieu fera beaucoup de choses. Il fera beaucoup de choses. Il fera beaucoup de choses. J'ai tenté de voir l'autre fois une table qui a été déjà servie. J'entendais la voix du serveur. Il regardait les gens, il disait aux gens, mais qu'est-ce que vous regardez? Venez manger. Les choses sont déjà prêtes. La table est déjà prête. On t'attend juste que tu viennes manger. Venez manger aux eaux de Dieu. Même vous qui n'avez pas l'argent, ça ne demande pas l'argent pour manger aux eaux de Dieu. C'est ce que Esaïe 53 dit. Venez manger aux eaux de Dieu, même si vous n'avez pas d'argent. Cela veut dire, lorsque vous venez manger à la table de Dieu, ça ne regarde pas les rangs sociaux. Ça ne regarde pas la famille d'où tu viens. Ça ne regarde pas un compte en banque. Cela veut dire, tu viens et tu rentres transformé. Je dis à quelqu'un, tu viendras à Siloé, mais tu vas rentrer transformé. Ainsi dit l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Tu viendras. Tu vas rentrer autrement. Tu vas rentrer autrement. Si mon peuple est humilié, l'humilité c'est une valeur de Dieu. C'est une valeur. L'humilité c'est un ascenseur spirituel. À l'époque où Jonas est allé à Ninive,
pour annoncer l'ainsi dit l'Éternel. La Bible déclare, les du plus petit jusqu'au plus grand, même le roi, le bête, tout ce qui renfermait le pays, ils ont porté les sacs. À l'époque dans l'Ancien Testament, les sacs représentaient l'humiliation, l'humilité. Parce que quelqu'un dans un deuil porte les sacs. Mais pendant cette saison de la grâce, Dieu ne demande pas qu'on porte les sacs. Voilà pourquoi quand Christ parle concernant les jeunes, Christ dit qu'on se lave et qu'on se parfume. Pendant cette saison, ça ne demande pas à ce que nous puissions porter les sacs. Mais pendant cette saison de la grâce, l'humilité devient l'état du cœur. L'état de l'esprit de quelqu'un. J'ouvrirai le ciel. Même si le ciel est fermé pour les hommes, j'ouvrirai. Mais ces choses sont caractérisées par des valeurs. Et la première valeur, c'est l'humilité. Bien sûr, l'humilité devant Dieu. Pendant cette saison de retraite, sois humble devant Dieu. Dépouille-toi de ton rang social. Ne regarde pas ce que tu es. Viens devant Dieu humble. Pour qu'il y ait cette discrimination, pour que vous soyez différenciés, Dieu demande ses valeurs. Dieu demande de l'humilité. Bientôt on sera à Siloé. Sokoyena mapeka, ngai, ngai, tu n'auras rien. Le ciel restera ferme. Mais quand tu viens humble devant Dieu, le ciel te sera ouvert. Et les rois apportaient les sacs. Et Dieu est revenu sur sa décision. Même s'il y a une décision qui a été prise même depuis le ciel. Les décisions des hommes et les décisions de Dieu. À cause de l'état de ton cœur. Une décision sera mise à terre. Dieu reviendra à sa décision. Quand tu avais commis un péché, Dieu va te pardonner. Rapporte ce message aux autres qui sont à la maison. Venez nombrer à Siloé. Venez prier. Venez à l'état. Venez humble devant Dieu. Et Dieu ouvrira le ciel. Dieu ouvrira le ciel. Et s'il prie, tu dois prier. Dieu te demande la prière. Pour que tu sois différencié des autres. Pour que tu vives ce que les autres ne vivent pas. Dieu te demande à ce que tu sois une personne, un homme, une femme de prière. Sois une personne de prière. Je saute et je dis, s'il se sépare de ses mauvaises voies, pendant cette période, sépare-toi des choses. Je suis venu préparer ton esprit pour Siloé. Moi, je pense que pendant cette période, on doit préparer ton esprit pour ce qui vient. Même les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils pouvaient rencontrer Dieu, chaque fois que Dieu disait à Moïse, je vais descendre, il demandait aux enfants d'Israël de se préparer. Avant d'entrer dans les temps de visitation, entre parenthèses, il faut être préparé spirituellement. Moi, je pense que pendant cette période, on va vous préparer spirituellement pour ces moments de gloire. Je reviens pour dire, pendant cette période, il faut se séparer des choses. Sépare-toi des amitiés. Sépare-toi d'autres plaisirs. Sépare-toi des choses pour vivre la différence. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Pour que ça arrive, il faut que tu vives une vie de différence. Écoute-moi pendant cette période. Vis différemment. Vis différemment. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève ta main là où tu es. Lorsque je suis en train de parler, baisse ta main. Lorsque je parle, je suis en train de voir un habit qui passe. Mais il y avait plusieurs mains qui voulaient saisir cet habit. Et je vis d'autres mains rester dans le vide. Et je voyais d'autres mains saisir l'habit. Je veux que tu pries quand tu vas lever ta main. Tu vas dire à Dieu, pendant cette période, Seigneur, que je puisse aussi saisir ton habit de gloire. Gloire en Zambé Kendete. Il y a des gens qui viendront prier, gêner. Nous allons prier, nous allons gêner. Et tu vas dire à Dieu, à la fin, que
que je puisse saisir la vie de gloire. Lève ta main. Fais cette prière. Prie en esprit. Bondela. Que ce temps de la grâce ne me passe pas. Je vais saisir aussi ton ami de gloire pendant si long. Je suis venu te préparer spirituellement. Je vais saisir aussi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Une porte qui s'ouvre. Une porte s'ouvre. Et je vois dans cette porte. La première personne est entrée. Il y a eu un écart. Et les autres personnes sont venues entrer dans après quelques minutes. Le Seigneur me dit.
tu enterras le premier. Tu enterras le premier. C'est toi qui ouvriras la porte. Et les autres viendront derrière toi. Je suis en train de voir un chemin asphalté. Laisse-moi me dire. Tout est déjà prêt. Tu dois entrer. Le temps de la gloire s'est approché de toi. Il y a quelque chose qui s'approche. Il y a un temps qui s'approche. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Je ne parle pas des choses qui viendront demain. Je parle des choses qui viennent ce matin. Le Seigneur me dit, le temps de la visitation, ce n'est pas demain, mais c'est ce matin. Le ciel te sera ouvert pendant cette période. Tu ne vas pas vivre le ciel fermé. Cette période, c'est une saison du ciel ouvert. Je lève ma main, je prie pour quelqu'un. Cette période, cette saison, si les autres vont pleurer, si les autres vont se lamenter, mais toi qui as foulé tes pieds ici, tu ne vas pas pleurer. Lorsque je parle, je vois une main qui est sur les larmes. Le Seigneur me dit, est descendu dans ta vie pour t'essuyer les larmes. Une famille ce matin ne va pas pleurer avant la fin de l'année. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner la main de Dieu. Tu vas témoigner. Lorsque je parle, je vois quelqu'un joyeux. Le Seigneur me dit, la joie est disponible. La joie est disponible dans ta famille, dans tes affaires, dans ton travail. La joie est disponible. Le Seigneur la joie ce matin. Toi qui as pleuré, même si tu n'as pas de parents, même si la terre ne t'a pas donné, ce matin, le ciel s'est dessiné. Le ciel s'est dessiné. Dieu s'est dessiné. Je t'ai donné ce que ton cœur désire. Je t'ai donné ce que ton cœur désire. Tout ce que tu as prié, tu es mon peuple. Sur qui est invoqué mon nom. Si le prie, si le prie, je le serai déçu. Je n'ai à quelqu'un. Tu n'as pas prié en vain. Ce matin, la prière est exaucée. La prière de quelqu'un est exaucée. La prière d'une femme est exaucée. La prière d'un homme a été exaucée. Dieu est sur tes larmes. La saison a changé. On ne vit pas la saison de tristesse. On ne vit pas la saison de lamentation. On ne vit pas la saison de deuil. Mais nous vivons la saison de témoignage. La saison de gloire. Lève-toi, lève tes mains. Que tout le monde s'élève. La saison est favorable. 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 Lève tes mains là où tu es. Dieu va changer ta vie. 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 C'est ce qu'il me dit, je change la vie de quelqu'un. Je change ta vie, ma soeur. Je change ta vie, mon frère. Je change ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Lève tes mains, je veux que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais vivre la différence. Je veux la différence. Je veux la différence. Oh mon Dieu, je veux la différence. Lorsque je parle, je vais un habit, mais cet habit a deux couleurs. Je vois une autre couleur fondue, mais une autre couleur qui brille. Le Seigneur me dit, un même pays, une même famille, on va briller différemment. Lève tes mains là où tu es. Demande à Dieu la différence. Seigneur, Seigneur, je demande la différence. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, parle. Demande la différence.
demande la différence. Pendant cette période, demande la différence. 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 Dans mes affaires, dans ma famille, dans ma vie, dans mes études, dans tout ce que je fais, je demande la différence à Dieu. Seigneur, différencie-moi. Seigneur, différencie-moi. Je continue à voir cet habit. Dieu va te différencier. Tu seras différente. Tu seras exceptionnel. Tu seras exceptionnel. Parce que ton étoile ne va pas briller comme l'étoile de tes frères. Ton étoile va briller. Va briller. Va briller. Parle à Dieu. Demande à Dieu la différence. Demande à Dieu la différence. Même si les autres pleurent, que moi je ne pleure pas. Même si les autres se lamentent, que moi je ne me lamente pas. Même si il y a la pauvreté dans la famille, n'aie-moi que je sois une étoile. Parle à haute voix. Parle. 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 Demande la différence. Que Dieu te différencie. Que tu sois une femme différente. Écoute, écoute-moi. Je veux que tu pries encore. Tu vas dire à Dieu, écoute-moi très bien, que rien ne t'empêche à vivre cette gloire. Je veux que tu fasses une prière d'autorité. Que tout ce que le diable a mis sur ton chemin pour rater le temps de la visitation, que cela s'éloigne de toi. Je veux que tu frappes dans ta main. Fais cette prière d'autorité. Tout ce que le diable a. Pendant cette période, touche que le diable, même la maladie, ne va pas t'empêcher d'entrer à Siloé. Frappe dans ton âme. Pendant cette période, tu seras toujours en bonne santé. Tu ne seras pas hospitalisé. Tu ne seras pas malade. Bientôt c'est Siloé. Le diable fera tout pour t'empêcher d'entrer. Mais tu dois entrer. Éloigne cela. Éloigne cela. Touche que le diable a prévu contre toi. A prévu contre toi. A prévu contre toi. Que cela tombe. Que cela tombe. Même si c'est une maladie. Que cette maladie tombe. Tu ne vas pas tomber malade. Je mets ta maman que je sème là. Ce que sa maladie va tenir dans cela. Que on met là au côté sur le haut. On s'en l'accident au côté sur le haut. Ça m'a solo la mort en vie, yo. La somme la limanga m'a solo mola. Peta m'a boko l'ombo la. Prie, prie. Alléluia. Rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. Si ton comme un Siloé. Rien de mal ne t'arrivera. Nous préparons déjà le chemin. Nous préparons déjà ton esprit. Frappe dans ta main. Rien de mal ne t'arrive pas. Rien de mal n'arrive pas à ta famille. Pendant cette période, rien de mal ne t'arrive. Rien de mal ne t'arrive. Ferme tes yeux, je prie pour toi. Je vais éloigner tout ce qui est du diable. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a sélectionnés ce matin pour être bénis? Déposez des mains, reçois cette bénédiction. Je vois une fleur sur ta tête. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer, ma soeur. Dieu va c'est une soeur. Dieu va t'honorer. Bientôt Dieu va t'honorer. Bientôt Dieu va t'honorer. Bientôt Dieu va t'honorer. Bientôt.
bientôt Dieu t'honore. Dieu t'honore bientôt. Il t'honore bientôt. Dieu t'honore bientôt. Bientôt Dieu t'honore. Bientôt Dieu va t'honorer. Bientôt Dieu t'honore. Touche bien ta tête. Touche ta tête. Reste calme. Sens cette onction sur ta tête. Attention, reçois cette onction. Oui, c'est une sœur ici. C'est une sœur. C'est le temps de ta visitation. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu sens, c'est comme si tes mains chauffent. Tu sens un feu sur tes mains. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Attention, où es-tu? Keba, oh, c'est le gars, moi, c'est le gars. Reçois cette onction sur ta tête. Reçois l'onction qui différencie. Reçois l'onction qui change la vie des gens. Reçois l'onction dans ta vie. La chose qui fera ce que tu sois recherché. La chose qui fera ce qu'on te cherche. La chose qui fera que tu sois recherché. J'alimente cette chose dans ta vie. J'alimente cela dans ta vie. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Je vois de l'or sur ta tête. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Recevez la pression. Recevez la dégâts. Recevez la pression. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Les précieux. De l'argent, recevez-le. Attention là-bas, attention ici. Oui, tu seras recherché, toi. Oui, tu seras recherché. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Que cette onction descende sur ta tête. Ferme tes yeux, sois concentré. Dans quelques secondes seulement, que cette onction descende sur ta tête. Que cette onction descende sur ta tête. Il y a quelques personnes ici que Dieu va visiter. Quelques personnes. Il y a quelques personnes. Il y a quelques femmes ici que Dieu va visiter. Que Dieu va visiter. Tu seras recherché. Je vais compter sur toi. Et cette onction va se manifester. Soyez sensible. Celui qui est sensible, il va recevoir cette onction. C'est une onction de différence. Une onction de femme qu'on va rechercher. Une onction des hommes qu'on va rechercher. Tu seras recherché. Parce que ce matin, tu as des onctions sur toi. Tu seras recherché. Parce que ce matin, tu as descends cette reste calme, je prie, Seigneur. Ma saïde, il y a ceux qui ressentent le feu dans leurs mains. Il y a ceux qui ressentent le feu ici. Une, deux, trois, recevez-le. Ici, recevez-le. Recevez cette onction ici. Recevez-le. Dégage!
Reste calme. Seigneur, merci. Je prie pour des grandes choses. Que le ciel s'ouvre. Que la grâce descende. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi un panier. Mets-toi dans cette atmosphère. Je veux que tu puisses offrir d'une manière exceptionnelle. On va finir ici dans quelques minutes. Tu viendras déposer ici. Ne sors pas, s'il te plaît. Donne-nous 15 minutes, on va finir. Tu viendras déposer dans ce panier tes $50, tes $20. Je vais prier pour toi. Il ne faut pas sortir, il faut nous accorder 15 minutes. Le culte finit à 12h30. Il est 12h15, on va finir. On va finir à temps. Viens avec tes finances ici, je vais juste toucher ta main. Tu as $20, $50, viens donner ici. Moi je vais toucher ta main. Que le Seigneur te fasse, je vais toucher ta main, que Dieu te fasse grâce. Viens avec $20, $50, $100, que Dieu te fasse grâce. Viens avec le $100, le $50. Cours vite là où tu es, je vais finir dans quelques minutes. On va passer à d'autres offrandes. $20, $50. Viens donner cette offrande de différence. Et le ciel va te différencier. $20, $15, $10. Viens donner et Dieu va te différencier. Fais des choses exceptionnelles. Pour que Dieu soit exceptionnel avec toi. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. $50, $20. $50, $20. Que le Seigneur te fasse grâce, maman. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu ouvre le ciel pour toi. Cours vite là où tu es avec $10. Et juste toucher ta main. Que Dieu te fasse grâce. $50, si tu es capable de donner 100, ne donne pas 10. Sans donner cette offrande de différence. Si tu es à la maison, il y a les coordonnées qui passent sur les écrans. Fais-nous parvenir ton offrande. Que Dieu te fasse grâce. Cours vite avec $10, avec $5. Merci, c'est un fond. Cours vite, on va finir dans quelques minutes. Cours vite là où tu es. Viens donner d'une manière exceptionnelle afin que Dieu soit exceptionnel. Au nom de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Cours avec les $5, même si c'est un franc. $10. Que le ciel s'ouvre, maman, au nom de Jésus. Viens avec les $10, les $5. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Il y a des gens qui doivent donner cette offrande. Que le ciel s'ouvre, servante de Dieu. Que le ciel s'ouvre, maman. Que le ciel s'ouvre. Laisse-moi me confirmer qu'il y a des gens qui doivent donner cette offrande ici. Il ne faut pas rester, viens donner cette offrande. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Des gens, il faut qu'il y ait quelques personnes ici. Il ne faut pas résister, il faut venir donner. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre, maman. Que le ciel s'ouvre, mon frère. Au nom de Jésus. Viens avec les $10, les $5. N'hésite pas. Viens, on te bénit et tu vas. Que le ciel s'ouvre. Le fond de Jésus. Que le ciel s'ouvre pour toi. Le fond de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Le fond de Que le ciel s'ouvre pour vous. Le fond de $5, même si c'est enfant. $5, on va finir dans quelques minutes. Que le ciel s'ouvre. Le fond de ma. Je chante de voir le ciel s'ouvrir. Le Seigneur continue à me dire que le temps est favorable. Que le ciel s'ouvre, maman. Que le ciel s'ouvre. Le fond de ma. Nous sommes en train de vivre un moment où le ciel sera stoppé, le ciel sera ouvert. Que les choses seront faciles. Que le ciel s'ouvre. Je dépose le panier ici.
Tu viendras donner tout ce que tu as prévu. Mais si tu sens que tu peux donner plus, donne plus. Mettez les paniers là-bas avant de donner le micro. Tout ce que tu avais, $5,000, $10,000, $5,000 francs. Lève-toi. Viens sceller cette parole et sceller ta prière aussi. Dépose-les dans les paniers. L'homme donne que ce qu'il a. Viens dans ces paniers ici devant. Dépose $1. Moins de $1. 5 000, 10 000 francs. 5 000, 10 000 francs. Tu as aussi le droit de bénéficier de cette onction. Avance et sois béni. Tu peux avancer. $1, moins de $1. Tout ce que tu avais prévu. Dieu voit dans les dans le cœur. Donne ce que tu as. Le Seigneur te fera grâce. Pendant cette période, jusqu'à ce qu'on va arriver à Siloé, tu ne vas pas manquer l'argent. Oui, c'est ce que Dieu me dit, tu ne vas pas manquer l'argent. Avance-toi qui reste avec tout ce que tu as. $1, moins de $1. Avance, on va finir. On va faire les offrandes de l'action des grâces et la dîme, les offrandes ordinaires avec l'évangéliste. Et on va partir. Gloire à Dieu. Voilà. De préparer action de grâce. Puis dîme. Bâtir sur la poignée à dîme l'action de grâce. 12h30, nous allons clôturer la prière. Soyez enveloppé par le protocole. Dans sa part, dans la salle. Tombe là seulement le bloc pour que vous enveloppe à dîme l'action de grâce. Enveloppe à dîme l'action de grâce. Action de grâce, ça pour une samba multiplie tout yayo salaka. Dans mon amoutou, ça m'a pas molé na $1,000, pas le mola $100 à tirer comme dim, m'ta comme le mola $100 et belé $900 comme qui.
$100 et belé, $900 ok. Si on peut plus de $5,000, au moins la $10,000 et belé, t'as dit, les années et là au moins certains attendent à monter la biseau pour la comme ma pauvreté n'a vu n'a vu. Donc voilà et le quoi n'a monté n'a vu. Amen. Maintenant le même monsieur Basaki et comme la bango, la pisse, bim, y a-t-il qu'un annonce? $100 à Zambie. Amen. Amen. Na panier doré, vous avez déposé 10 minayo. Na panier doré. Na panier à blé, vous avez déposé action de grâce. Ma panier, sur le panier, on voit partout. J'ai quoi? Ton cabot avec mes enveloppes. Ton son son au mercredi. Voilà. Zambendenge sur la bataille biso. Amen. Amen. Pour la côte dédiée, moi autocote. Amen. Et ça la moi naïo. Nicolo yokotika, t'es à la loco la bâtiment, mais pas au gang, aux au gang. Tina au crié, noana, au cafouanté, il t'appelle, pas au benga. Amen. Donc, ganga, Nicolo, Sambela, Lucanza, Mambi. Partout, ma panier, salut aux autres offrandes. La panier plus les déposer action de grâce. La panier doré, vous avez écouté Dim Nayo, que Dieu te bénisse. Ensemble na papa. Amen. Yakana soif parce que miracle na Bethel ba lobela ngote. Amen. 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 Comme le dimanche à lobi azana don particulier tinzamba salaye aussi mamutu no te déclarer kana musika makambo ici. Alléluia. Le lobi j'ai dit à partir déjà 16h comme 17h tout démarrer ensemble na papa et moko ensemble. Vendredi tout ça na deux séances à culte. 17h, nous en avons réunion avec maman. Amen. Maman, nous sommes à peu près. Maman, nous sommes à peu près. Que Dieu te bénisse. À partir de 17h, oui, awa, au Mati, au côté Libanda, au Mona, étage Nicolo. Amen. Nous sommes à l'étage. Il y a le roi, on m'a donné un avion. Ça va pas mal parce que c'est parce que calamité à temps si le jeu si là je suis baqué par Canada par fruit d'ici par peine par ébélé avant que si l'île on va repos tout sur le sili dans tout l'ensemble sur si le sur nos kendois peut-être que tu as ma loupuna l'a ma boke peut-être que tu as Dubaï tu as baqué par Canada kende on va repos pour au sambeli au suivi ma pamboli au pemi après au kosonga. Amen. Donc, au Mati, au Koti, dans cette église, ils ont salué mon colo pour nous. Maman, basanga, on a parti à 17h. Amen.
Après, na 22h, 17h, 19h, basile ici. 22h, tu démarres, veillez na biso. 22h, 23h, 15h. Amen. Tout le monde, tout le jour, ma victoire, il faut que veillé. Papa, le bas qui a prié, il peut s'offrir au longi. Il y a au gêné, il y a au singo sambé, il peut se l'offrir au moins la récite. Amen. Samedi, réunion par jeune à 17h. Dimanche, tout ça, là, des cultes. Premier culte à partir à 7h30, français, anglais. Deuxième, français, lingala. Amen. Amen. Tellement les colonnes à Pambola, ma bocotte à la moutouna. Si le goye mbanze mbasika. Amen. Lokola yonalu ki na monite yako fanda nanga mambonge pemipi beto longi nyoso mawana yo plus fort lokola yo. Lokola yonalu ki na monite yako fanda nanga bamboge veto longi nyoso plus fort lokola yo plus fort toi que lokola yo. Le Dieu de mon père, la réserve de l'éternel à Pambola. Quand nous sommes aux bonnes nouvelles, quand nous sommes dans le téléphone, aux bonnes nouvelles, quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans le quand nous sommes dans le monde, nous sommes témoigner. Quand nous sommes dans le monde, soyez bénis. Na pokwa lelo a partir ya 16h tout ça va deuxième culte au songa na témoignage ko témoigner. Soyez bénis, soyez bénis encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. This program is brought to you by Moïse Mbie Ministries. Welcome to Moïse Mbie Ministries. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu. Ce dimanche 21 août, nous aurons un seul culte. 15h à 10h, arrive même à 13h ou encore à 12h pour que tu aies une bonne place à l'intérieur. Ça sera une soirée totale adoration. On va adorer les seigneurs. On va entrer dans notre moment de retraite, dans un fort moment d'adoration. Ça sera un moment d'adoration comme tu n'as jamais vécu. Ça sera très spécial, il y aura une atmosphère incroyable. Et ramène tes frères et sœurs, demande déjà un congé. Si tu n'as pas encore pris ton congé annuel, si tu as quelques jours encore dans ton contrat, fais que ton congé tombe la semaine du 21 au 28 août, parce que juste après le dimanche 21, le mardi 23, nous revenons tous ici, 22h juste, nous démarrons Siloé 2022. Tobalu Siloé 2022.